Je quoi? Je laisse pousser ou je rase à blanc? Suis en pleine réflexion. J'allais me raser à blanc, mais mon rasoir est éteint, j'ai plus de batterie. Donc, à voir. Parce que là, l'été, en vrai, c'est l'été et j'ai envie de faire jeune, donc il y a moyen que je rase. Voilà, programme aujourd'hui. On va sortir les petits, sortir les chiens, voilà, faire une balade en vélo, profiter de la fraîcheur du nord de la France. Ça va nous faire du bien. Et se reposer aussi un petit peu. Et aujourd'hui, entraînement ou pas entraînement, je sais pas. Bonne question. Est-ce qu'on part s'entraîner aujourd'hui? Sachant qu'on s'est pas entraîné hier, c'est pas beaucoup entraîné cette semaine d'ailleurs. À voir, à voir, à voir. Moi, dès que je prends l'avion, je vais vous montrer ma cheville. Donc là, ça fait 4-5 heures déjà qu'on a quitté l'avion, parce qu'après on a dû conduire jusque dans le nord, mais je vais vous montrer ma cheville. C'est dingue, dès que je prends l'avion, il faut que je mette des bas de contention. À chaque fois, je le fais pas. Et je vais vous montrer ma cheville, vous allez voir, c'est indécent. Et encore là, elle a dégonflé. Hein. Mais genre, c'est ouf. Et pourtant, toute l'année, tout va bien. Elle est jamais gonflée. Enfin, elle est toujours un peu plus gonflée que l'autre, parce que bon, ça sera à vie. Mais genre, vraiment léger. Mais là, dès que je prends l'avion, c'est ouf. Je vous montre. Belle-mère, voit cette story, je m'excuse, et mon beau-père à l'avance d'avoir mis le pied là. Promis, je rince après. Donc voici ma cheville. Donc tout paraît normal. Vous la regardez comme ça, vous dites pas que c'est gonflé. Enfin, ah si, on voit quand même. On dirait que je viens de me blesser. On dirait que je me suis tordu la cheville. C'est ouf. En fait, je vais vous montrer avec les. La différence. Tes mains, même le pied est gonflé. On dirait que j'ai eu un accident quoi. Et c'était il y a 2 ans mon pied quoi. Dès que je prends l'avion, c'est ouf. Et même le côté là, c'est hyper gonflé par rapport à regardez là. C'est tout mince, tu vois. Regarde, vous voyez, enfin, c'est mince. Et là, ce côté-là, genre, tout gonflé. Je vais vous poster une photo que j'ai faite de mon pied. On dirait, mon pied, il est difforme. On dirait un dinosaure, le truc. Non, mais c'est flippant. Avec la cicatrice en plus. Alors, je vous jure que dans 2 jours, il n'y aura plus rien et impeccable. Hein. Mais, franchement, je comprends pas pourquoi. Franchement, j'ai pris l'avion plein de fois là, cette année. Elle grossit toujours un peu, mais là, cette fois-ci, je sais pas pourquoi ça. C'est marqué autant. Mon amour, est-ce que tu trouves que j'ai des beaux pieds? Est-ce que quand tu vois mes pieds, t'as envie de leur faire des bisous dessus? Est-ce qu'ils sont sublimes ici, mes pieds? Non. Ils sont magnifiques, t'es juste jalouse. Non, c'est pas beau. Ils sont magnifiques. Moi, j'ai amélioré mes pieds, regarde. Toi, ils sont beaux, des pieds? Non, mais ils sont pas beaux, mais genre, ils se sont un peu En fait, améliorés. tu vois, c'est normal, ça fait genre petit, grand. Regarde, moi, il n'y a rien qui va. Ouais, toi, t'en as qui dépassent, pourquoi tu dépasses? Mais moi, regarde. Mais moi, mon petit, il est vraiment très petit, regarde. Ouais, grave, il fait de la peine. Ouais, on le voit pas. Lola! Bon, je vais vous filmer les retrouvailles quand même. La reconnaît. Perle, elle reconnaît. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On est où, Perle? On est arrivé! On est où? T'as dit bonjour aux filles! On est chez Papy Mamie! Que les vacances commencent! Ça me rappelle moi quand j'étais petit. Oh là 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 là! Oh là là! Je veux 1 minute de silence. On va hacker. Maintenant, ce qu'on va faire à la maison des petits, c'est quand il y a du filet américain, qu'on n'en mange que rarement dans l'année, vu que ça vient que du nord, je veux qu'on fasse tous la minute de soleil. Non, on va faire la prière au nom du Fils et du Père et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on est revenu en France et on va aller visiter l'église Armentières. Très important dès qu'on est en France. L'église d'Armentières. Ouais, Pourquoi? bah c'est là où ils sont baptisés. Ah. Après, on ira à l'église vers Bordeaux. Chaque année, on fait les églises un petit peu. Pas trop pour pas être les blasés. Bref, revenons au sujet. Ça là, les gars, cette chose-là que ma belle-mère a gentiment acheté pour moi, parce qu'elle Il y a sait que. quoi, il y a 100 grammes ou 1 kilo? Ah, il y a 1 kilo là. Ah ouais, c'est plus lourd que perdre presque. Ça, les gars, c'est du filet américain. C'est la meilleure chose au monde. Tu montes en intensité. Là, il n'y a rien qui se passe, c'est normal? Ouais, t'es 45. Tu dois être au moins à Ah ouais? 50, 60. Ah là, ça fait drôle d'effet. Ah, ça fait un drôle d'effet. Tout y va. Oh la vache. Ah ouais, il y a tout qui se lève. Bon, bah, ma À belle-mère. 25 seulement. Vous allez à combien, vous?
Ah, j'aime pas l'effet que ça fait. Ça fait des coups d'électricité. Ah, je déteste. Ah, les gars, je suis pas une chouchotte. Je vous jure, je suis pas une chouchotte. Mais ça, ça me fait vraiment drôle d'effet. Ça fait des coups d'électricité dans le pied et la cheville. Je déteste. Un peu quand vous touchez un fil électrique. Quand vous prenez un petit coup. On l'a tous fait petit, quoi. Bah, ça me fait un peu ça dans les pieds. Ma mère a filé ça. Parce que là, la patate, regardez. Putain. Ils sont réveillés de la sieste. Bonjour, Romilo. Bonjour, mon Mathéo. Mathéo ? Ça pousse les cheveux. Mamie, elle a dit que ça allait pousser les cheveux. On va couper les cheveux, Mathéo ? Ouais, on va couper les cheveux. On va venir avec mamie. Tu vas couper les cheveux avec mamie, Mathéo ? Ça le déplaît, hein. Ma beauté. Grosse bouille d'amour, ça. Milo ? Milo ? Est-ce que tu l'aimes, ton frère ? You want to cut your hair ? Non. Little bit, ok. On va couper un petit peu les cheveux. Non ! Hey ! On va couper les cheveux ou pas ? Non. Tu veux pas ? Tu veux quoi ? Non, non. You want to say mommy home ? Yeah, ok, but Milo, here you are in France. On parle français. Hein, mamie ? Yes, Milo. Parce que if you speak English, to papou, nona, papi, mamie, ils comprennent un peu, mais pas tout, tu vois. Like me ? Non, this is English. And you, me? You speak English and a little bit French. But I want mommy. You need to speak French. Parlez français avec mamie. But I like mommy. You like mommy? Yeah. Tu dis j'adore mamie. J'adore mamie. Oh, lui, le français, il l'a carrément oublié, je crois. Papa? Oui. Mommy, if they like me. But of course she loves you. Elle non, t'aime très. Same eyes. Ah, same eyes. Mamie, viens voir. J'arrive. Venez voir. Yeux. Il dit que mamie, elle a les mêmes. Il dit que mamie, elle a les mêmes yeux que Milo. Waouh. C'est magnifique. Des billes bleues. Elle a des beaux yeux, mamie, ou pas ? Comme Milo. Comme Milo et Mathéo. Pareil. Et moi, j'ai les yeux comme Perle. Enfin, Perle, elle a les yeux comme papa. Hein, Perle. Ouais, maman, je suis. Mia, il y a blue eyes. J'ai les yeux bleus, moi. Non. Si. Non. Si, j'ai les yeux bleus. Okay. Arrête, tu m'énerves. Toi, t'as les yeux marrons et moi bleus. Si. Brown? Non, moi, c'est marron. I can see you. Ah, you're brown. It's not brown, it's blue. I don't talk to you. C'est bon, t'es plus mon copain. Ça te fait rire, hein? Ça te fait rire. Ça te fait rire. T'as quoi contre les yeux marrons? De toute façon, les yeux bleus, c'est pas beau. Marron, c'est beau. Bleu, c'est pas beau. Bleu? Bleu? You have caca bleu. Non, moi j'ai les yeux caca. Marron. Elle a arrêté, vient de le rebrancher. Allez. T'as pas de shoes? Ah, c'est trop désagréable. On met les shoes et on va essayer le vélo, ok ? Milo ? Tu dis vive le Nord ? Même le Nord. Ouais, il a fait le Nord avec le français. C'est bien, tu parles mieux français, mon cœur. Vive le Nord, vive le Nord, vive le Nord d'hiver. C'est normal. Qui vient me faire une manicure ? Merci, j'ai trouvé. Ouais, je sais. Je pense jamais à prendre des chaussettes de contention, mais je devrais vraiment y songer maintenant. Fais que de manger. J'ai jamais vu un enfant manger autant que mon fils. Ah, c'est indécent. Mathéo, faut que t'arrêtes de manger. Il aime trop. Il a dit au pied. Trop mignon. Ben, je vais faire ce qu'il y a à voir. Mangez où ? Mangez où ? McDonald's ? Non ! Ah non, mamie, hein ! Que si vous coupez les cheveux un petit peu, hein, tous les deux là. Ouais.
Parce que là, les chouches, là, les blondinées. Ouais, on voit la différence de météo. C'est souvent quand on rentre l'été, on est dehors sur les transats en train de bronzer, et puis je joue dehors au foot. Et là, t'as l'impression que c'est l'hiver, quoi. Genre, on est tous en pull, regardez. Mais, on est dans le nord. Et on est trop heureux. Trop heureux. Ouais, évidemment, je veux que. Même s'ils n'iront pas dans un cursus français, mais dans un cursus british, donc anglais, nous, on va leur parler de plus en plus français. Et notamment, on va prendre des cours en plus par semaine pour qu'ils aient vraiment. Qu'ils écrivent français, l'alphabet, etc. Quoi. Et oui, on est dans un beau pays, on est à la France. Moi, je suis. Très très patriote. Je suis très fier de mon pays, de mon histoire, de notre culture. Et je vais leur transmettre. Je vais vraiment leur transmettre. On est mauvais. À chaque fois, on se dit on le fait demain et on le fait pas. Ouais, on a appris ce qu'il fallait vraiment. Charlie, elle a une douleur à la poitrine gauche, mais c'est pas forcément la poitrine. On a fait 2 ultrasons. Comment on dit en français ultrasons, bébé? Une échographie, elle a fait 2 échographies avec 2 chirurgiens différents. Elle n'a rien, elle a fait un RM abdominal, donc tout ce qui était foie, abdomen, c'est quoi? C'est le foie, l'estomac, la rate, le pancréas, la vésicule biliaire, enfin, et elle a rien. Rien. Si. Oui, elle a des trucs pas graves, bref. Elle a dit kyste au foie, mais c'est rien. Il a dit c'est rien. Il n'y a même pas besoin de follow-up, de suivi. Mais elle a mal depuis janvier. Même quand elle part en Égypte, pendant 15 jours, elle a arrêté le sport. Ça n'a rien changé. Et tous les médecins, les chirurgiens, ils nous disent pas besoin d'arrêter le sport, rien à voir. Donc on sait tout. On essaie de comprendre ce que ça peut être. Voilà, d'après le médecin, il dit que c'est sûrement dû à des reflux gastriques, vu que c'est vraiment collé à gauche. C'est en dessous le sein gauche. Il dit que ça peut être des reflux gastriques et des remontées acides qui fait que ses douleurs. Et du coup, elle est sous médicaments pendant 10 jours, voir si ça va mieux et c'est bien ça. En vrai, on espère que c'est ça, parce qu'au moins on sait d'où vient la douleur, quoi. Et on peut avancer. Parce que c'est depuis janvier, quoi. Ça fait je sais pas combien de temps. Alors que elle a fait. Ça lave les dents. Elle a vérifié le cœur. Elle a vérifié les poumons. T'as fait pour les poumons, c'est quoi que t'as fait des tests pulmonaires. On a fait 2 échographies des poitrines. On a fait les IRM. On a fait des rendez-vous médecins, des machins, des ceci. Et les gars, à un moment donné, on a tout fait. Des prises de sang. Elle a fait 2 fois des prises de sang, checking. Ben voilà. Ils sont des câlins, c'est trop mignon. Ben voilà quoi, on essaie de comprendre. You papy. Il est long papy hein. Oh là, papy, il est où papy? Eh dites papy, Milo, papy. Allez maman, papy. Oh. Yo! Oh papy! Papy, tu fais un câlin. Papy, fais un bisou papy, va faire un gros bisou papy. Un bisou. Allez, bisou. Les bisous sur la bouche. Et toi, tu sois pas là pour ton papa? Fais-lui un câlin, c'est ton papa. J'ai vu que t'as manqué. Tu l'as croqué? Ouais, le beurre, ouais. Papy, oh papy. Toute la journée, papy, il est là. Oui, Boulette, attends, maman. Ah, vas-y. Très bien. Papy. Oui, Boulette, ah, t'es fait mal. Non, ananas. Ouais, on va donner ananas, ouais. Juste un coursier et hello la famille. On savait même pas. Ils sont là. Vous saviez, Bon bah voilà, ils ont retrouvé leur cousine. C'est la belle surprise. Hey Joy. Joy, ça va? T'as retrouvé tes cousins? Vas-y, regarde, j'ai en train de signer. Hey papy. Oh. Vas-y, arrache. Allez.
Les baskets. Maman. Ah, merci. Cool, tu sais. Ah, bah cool. Ah, cool. Oh, shoes. C'est moi qui ai dit. New shoes. Il y en a besoin. New shoes. New shoes. Il est né pas. Oh. Elles sont propres. Oh. Attends, la deuxième. Ah ouais. C'est design, hein. Ouais, non, cool. Vintage. C'est vintage. C'est pour ça que c'est mal au pied, il les a déjà utilisés. Et vous rigolez, vous? Vous rigolez? On dit vers des tuyaux, papy. Vous rigolez? New shoes. New shoes. Eh, mais nos papy est pas content. Merci. Il a pas le même cadeau, il est bien redonné. Ouais, mais c'est sûr, c'est une magie. Non, mais non, t'as les chaussettes. Ouais, les chaussettes. Les chaussettes de Joe. Non, là, c'est le vrai cadeau maintenant. Ah, je suis mort. Allez, ouvre! Ça sent la pomme. Happy birthday, papy! C'est Milo et Matou, hein? Oui. Attends, Matou. Ils ont cassé l'épargne. C'est live. C'est dit. C'est Tati, hein, c'est pas ma reine. Good morning, guys! Oui, yes. Donc là, aujourd'hui, ma belle-mère m'a donné de quoi nettoyer tous les écrans. Tous les téléphones, j'ai nettoyé aussi l'écran. C'est exceptionnel de l'ordi, genre tout est propre. Il n'y a pas de traces, enfin quasi plus quoi. Et là, je vais faire l'iPad de Milo. Du voyage. Avec ça, en fait. Je mets un petit peu comme ça. Et cette room-là, il y a des bulles, en fait. Donc c'est l'écran de protection. On va pas trop se rendre compte, mais c'est trop bien pour nettoyer, franchement. Ça va, ça a surtout les traces. C'est un peu gamme, là, il y a des bulles. Donc, ça va pas se voir. Ouais. Peut-être du matin. Hier, c'était mon premier jour dans le Nord et j'ai fait que de manger du filet américain, du chocolat, des conneries. Et ce matin, j'ai pris un café et genre, j'ai trop failli craquer avec des petits princes, des chocobéennes, parce que c'est la vie. Moi, les gars, jusqu'à mes 16 ans, je mangeais que ça. Je vous jure. Que ça. Ah. Ah. Ça va, les filles? Vous allez bien? Alors, et? Moi, c'est Berthe. Mais dis donc. Fais les pompes maintenant. Fais comme un basket. Fais les pompes comme un basket. Yeah. Papa. Yeah, Mathéo. Eh, fais des pompes. Push-ups. Push-ups. Comme un basket. Push-ups. Mathéo. Ouh. Allez. Allez! Papa! Eh ben, toi! Yeah! Bravo Milo et Matteo! It's my turn? Yeah! Ah yes! I'm too heavy! It's too heavy? No, it's not heavy for me. It's too light. I need the big weights! And me too! Tiens, Matteo, tiens. Matteo.